Action. Bonjour, je m'appelle Insa. Bonjour, je m'appelle Johanna. Je m'appelle Omar. Action. Je m'appelle Pablo. Je m'appelle Yacine. Bonjour, je m'appelle Robin. Je m'appelle Yasmina. Non, mais dis action. Action. Bonjour, je m'appelle Jérôme. Ce monstre s'appelle bien lui, ouais. Voilà. Que la maîtresse, elle vous a montré des photos? Oui. Du diaporama. Il y a Régis devant l'accueil de la source. Oui, avec des enfants. Il tire la langue. Et ça veut dire bienvenue. C'est chez les Esquimaux. Chez les Esquimaux, quand on dit bienvenue, on tire la langue. Et bien du coup, on a fait ça en statue à la source. Et du coup, maintenant, c'est le lieu pour se retrouver, pour accueillir les enfants. On en parle à chaque fois. Et Régis vous dit... Bienvenue. C'est l'endroit où vous allez manger, vous avez dû voir des photos aussi. Là, c'est là-haut qu'on va dormir. Non, mais là, j'ai pris. Mais c'est là-haut. Non, c'est là-haut. Cool. Donc, la salle polyvalente, on peut être dans cette pièce et y faire quelques loisirs. Voilà, les ateliers de la soudure. Bonjour. Voilà. Bonjour. Si on veut faire des créatures étranges, il faut qu'on puisse décrire leurs caractéristiques. C'est-à-dire, par exemple, si ça concerne leur peau, qu'est-ce qu'il va y avoir sur leur peau? Des plumes, des écailles, des poils? Ou alors, est-ce que c'est pas de la peau ou c'est une carapace? Alors, après, il y a des ailes. Les ailes, là, c'est la locomotion. Alors, les ailes, les pattes, les jambes, les bras, les nageoires, les tentacules. Et puis au bout, il y a des mains, des pieds, des doigts, des griffes. Chacun, on va inventer un ou deux ou trois, mettons, des animaux supplémentaires. Si vous avez la tête d'un animal, le col, les membres d'un autre, et les bras, les membres d'encore un troisième, vous faites un animal fabuleux. On est d'accord. Dis-moi. Est-ce qu'on pourra aussi dessiner l'animal qu'on a créé? Ah non, 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 on est là pour... On dessine pas du tout. Quand on va être là pendant une semaine, on va absolument pas dessiner. Si, mais on est là, on va faire plein de dessins, tous les dessins que tu veux. À partir du moment où on reste dans cette idée d'inventer des nouvelles créatures. Tu préfères des créatures? Les garçons, vous voulez des potes ou vous pouvez être quand même? Après, on mettra... C'est pour ça que nous... Tu attends et tu remets au milieu à chaque fois, d'accord? Un buffle avec des ailes. D'accord, alors, en fait, il ne faut pas que tu saches si c'est des poils ou des plumes qu'il a.
On voit qu'il a des caractéristiques. Il a qu'un seul œil. Voilà. Il a quel œil? Excellent ton serpent. Mais alors tu sais, il mériterait, il est tellement bien qu'il mériterait que tu me le refasses en plus grand là, tu vois. Voilà, c'est ça, pas si fait. Et le taureau, oui, il peut poser les dents. Oui, c'est parce que. Tu l'as dit le temps possible. Il est étalé de la première. Je préfère la tête de l'écart. Bah, c'est un homme, et au lieu de mains, il a des pieds, et au lieu de pieds, il a des mains, il a des cheveux multicolores. On va faire un seul dessin en une heure. Un seul dessin. Un dessin en une heure, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça va être le plus beau dessin de votre vie. Oh. Tu peux la refaire? Là, tu l'as fait complètement, avec plusieurs couleurs. C'est bon. Je peux peut-être te faire un petit peu plus, non? Mais s'il marche pas presque plus, est-ce qu'il ne marche pas avec moi là? Il marche ou pas? Il marche ou ça ne marche pas? Tiens-toi bien. Assis-toi. C'est un travail. Tu y arrives. Et là maintenant, là tu me trouves une couleur là. La même que ça, ce serait bien, non? Je crois pas. Fais les pattes. Fais le tour des pattes, c'est quoi ça? On voit pas ce que c'est. Voilà, et après quand tu auras fait ça, tu mettras une couleur autour. Bah oui, c'est bien. Et par exemple, tu pourrais dire s'il a des. C'est des poils qu'il a? Bon bah tu reviens avec une autre couleur, regarde. On va faire comme ça. Il faut qu'on la voie la couleur. C'est pas parce que. Écoute-moi. C'est pas parce que tu as fait juste un trait que tu l'as fait. On voit la couleur autour. Tu vas voir que c'est vachement plus beau à la fin quand on aura la couleur autour. Il y a des dessins qui sont très beaux, ils sont tous très bien d'ailleurs. Alors il y a une chose donc, qui est importante et qui est difficile à votre âge, c'est la patience. Et la patience, il va vous en falloir toute votre vie de la patience. Il y a toujours des moments où on s'embête un peu. Mais sérieux, là. Mais quand on a travaillé et qu'on a eu cette patience-là, on s'aperçoit que ce qu'on a fait, c'est mieux. Moi, c'est trop beau. Comment ça peut être trop beau? Ça peut être beau, mais trop beau. Après, vous allez à la visite, d'accord? Et puis nous, on va venir vous voir visiter avec Pierre, mais vous allez voir, ça va très bien se passer. Et puis après, vous allez passer une bonne soirée, vous allez prendre. Aujourd'hui, on va continuer à fabriquer des monstres. Ouais, et puis... En papier. Donc le but, c'est de faire une créature fabuleuse. D'accord? Oui. Bon. Oh, trop bien, super solide, ça! Allez, ça! Tu déchires, Johanna. Ah, une tête à prénom bleu! Mais je veux du bleu aussi. Le monsieur, il va écraser le monsieur. Ouais, mais alors, il faut que tu me colles ça correctement, ou quoi? Un gros œil. Regarde, hop, tu remets un petit peu là et hop, tu colles. Essaye de coller correctement. Ça, tu me laisses, ça, c'est excellent. Tu me laisses ça, c'est bleu. Voilà. Du bleu, ça marcherait beaucoup mieux.
Tu m'enlèves ce que tu n'aimes pas. Ouais. Maintenant, tu vas prendre du bleu. Il faut que tu vois si tu peux faire des choses un peu, tu vois. Tu vas me faire le sujet principal. Tu peux le faire en plusieurs morceaux. Regarde, tu vois. Ça, c'est très moche. Oh, quoique. Il faut que tu... La tête, je sais pas, qu'est-ce que je pourrais faire. En blanche. Celle-là et celle-là pour la tête. Avec le rose. Pour la tête. Ouais, il faut du vert pour toi. Attends, Coco, regarde. Ah ouais, ça va bien. Ouh, la bouche. Et voilà, les dents jaunes. Ça va, non? Ah, génial, j'ai trouvé. Mais le vert, ça... Ça marche pas du tout. Tu fais le corps et je veux qu'il soit poilu, qu'il soit des griffes, des ailes, des crochets. Hein? Tu vas me faire quelque chose qui me fasse peur. Ça me fait pas peur, je suis pas content. Il est trop bizarre. Okay. Action. J'ai fait un maman pour le volant. Et au début, j'arrivais pas à le faire. Ensuite, j'ai modifié avec ça, du feu. Comme ça, avec ses ailes, il va aller plus vite. C'est un peu fort, regarde, prends un fer, tu regardes. Pablo, je suis en train de parler. Je vais faire avec mes petites parce que j'ai un bon dessin. J'ai un bon collage. Hein? On dit, ça, on peut dire que ça existe. Ok? Donc on fait dans cet esprit-là. Bon boulot. Oui, très bien. Catriona vous a sorti une petite barquette. Dans cette petite barquette, vous allez découper plein de petits détails dans ce genre-là. Voilà. Allez, il m'en faut un maximum. Rappelle ce que j'ai coupé dedans, on s'en fiche, c'est pas grave. Il n'y a raté du tout, tu fais le tour avec tes ciseaux. Vous allez essayer d'assembler avant de coller. Mais il faut vraiment que ça ait du caractère, hein. Faut que ce soit des créatures, on est bien d'accord. Oui. Bon, c'est pas le même, on fait quelque chose d'aussi bien que ça, différent. Après, tu veux faire autre chose. D'accord? T'essaye. Ce qu'il faut, c'est essayer des choses. Alors, je vais vous présenter un monstre qui s'appelle Bouyakriza. C'est pareil. Tu veux quoi? D'accord? L'autre? Ouais, c'est parfait. Colle bien. Et tu le mets à sa place. Là, c'est déjà très très bien. 1, 2, 3, 4, 5. Ensuite. Allez, des grosses jambes là. Tu mesures. Là, de la grille jusqu'au. Du coup, je trouve pas ça inintéressant parce que ça va vers l'abstrait. Oui, c'est ça. Thank you.
vous allez voir les formats. C'est grand. Hein. Ça va être un travail, c'est quand même un travail de quasiment deux jours. Cet après-midi, on fait tout en noir et blanc et peut-être qu'on pourra faire un peu de couleur. Et demain, toute la journée, on passe les, on continue les dessins. Voilà, on continue, on remplit en couleur. Alors, deux jours pour faire ça. On fait distribution de fusains. Oui. On n'appuie pas comme une brouette. C'est trop fort le trait là. Ah, c'est bien. C'est un prédateur? Non, c'est un cannibale. Ok, ça je dis. Pablo, tu dépasses. Voilà, on arrive. Voilà, impeccable. On va faire trois comme ça et deux et trois comme ça. C'est toi qui vois. Place là, là. C'est là que tu dessines moins fort. Tu as non plus. Après on va passer en peinture. C'est-à-dire après. C'est fort, hein. Là, elle est trop petite, ta bouche. Regarde, tu peux faire. Regarde bien voir, Yacine. Il faut que tu trouves des choses différentes. Mais tu le vois, ce qu'on a fait ou pas? Alors, tu dois refaire un peu plus fort sans appuyer trop, trop fort. Tu voulais de la peinture, c'est ça? Du coca. Tout droit, vers le haut. On voit encore plus. Yasmina. Une fois qu'ils seront habitués à nous, parce que sûrement que... Il y a faim ou blanc? Il y a un ragondin là-bas, regarde. Ragondin au milieu du terrain. Okay. C'est la première fois que je vois un ragondin qui marche. Regardez, oui, bravo. Il a mangé. Donnez, bébé. La pauvre grande, elle en a pas beaucoup, elle est mancha. Pas des cotons de pain. Est-ce que ça fait un petit peu de plastique, hein? Tu peux rajouter un peu d'eau? Tiens, Robin. Merci. Est-ce qu'on peut prendre un autre pinceau? Pas encore, c'est pas une bonne. Oh, c'est bon là ou c'est bon? Voilà. Et après. Ah oui, ça fait du jour. Ah, je l'ai déposé au buffet. Tiens, tiens dessus, quand ça bouge, tu tiens dessus. Voilà. Faut pas être en merci, merci. Allez, on va. T'as le temps, on a plus le temps pour faire ça. Qu'est-ce que je voulais faire? Moi, je me suis mis la Bon, regarde là. Moi, elle fait tout. Pablo, doucement, quand tu arrives près des contours, tu fais doucement. Pas un gros pâté. Ouais, vas-y, encore un petit peu. Quand on va arriver à des endroits un peu délicats, on va changer de pinceau et on s'applique. D'accord? Pour pas mordre trop. Voilà, on peut prendre son temps. Hein? Oh, voilà.
alors on peut faire. On peut faire avec le doigt si tu veux. Alors quand vous avez des gros pâtés de peinture, vous tirez dessus pour faire les bords. Contre-plongée, c'est en bas. Contre-plongée, c'est comme ça. D'accord. Je peux filmer comme ça. Quoi? Merci, correct. Bonjour. Bienvenue. Je peux la porter. À la main, à l'épaule. Oui. C'est dans 2 minutes, la récré. En attendant, vous êtes extrêmement sage. Ah, le plan narine, super. Yassine, on doit pas faire ça. Mon pomme. Non, je suis pas. Ouais, plan narine. Puis j'avais terminé, mais bon. Ouais, je suis dans le lit. Tu peux faire la voir à l'épaule? En ça? Voilà. Ici, là, c'est une toute petite. Toute petite, hein? Toute petite. Ouais. Ok, viens, recule maintenant. Bon. Ça va comme ça? Moi, j'ai pas envie. En haut, là. Voilà. Très bien, doucement. Voilà, top, top, top. Bah, je vais filmer mon dessin. Je vais filmer tous les dessins. Et tu préfères? Bah, le mien. Le tien, hein? Bah, oui. Non, il est pas trop gros. Tu fais un petit point. Hein. Ok, viens, on va voir. Prends une saboune. Une saboune. Chacun va faire un portrait. De soi-même. Hein? Ou de soi-même? Non, un portrait de. De son ami? Non, un portrait. De son monstre? Ouais. Oui, il l'a dit. Hein? Tu l'as pas dit fort. Tu l'as pas dit fort. Voilà, on va faire en fait que la tête de son monstre. On va faire un nouveau monstre.
Alors il n'y aura pas trop de limitations techniques. Avec de la peinture, du crayon, du collage, est-ce qu'on veut. Avant de dessiner, vous allez mettre une couleur de fond. Est-ce qu'il y a un vert comme ça? Ça c'est beau ça. Vas-y. Moi je veux du vert avec du jaune. Non. Ça avec du violet, ça va être la couleur la plus moche de la terre. Hein? Du violet avec du turquoise. Du violet avec turquoise. Ils ont des goûts de luxe, ma parole. Ça, nouveau. Pour que ça soit inquiétant, faut pas que ça soit trop simple. Là, après, tu peux mettre des petits piquants partout, tu peux mettre des poils dans les oreilles, mais je sais pas. N'aie pas peur de crayonner, hein, pour les caractères. Mais non, mais la silhouette, c'est une patate aussi. Pour moi, une silhouette un peu complexe. Sois un petit peu inventif au niveau de ta forme là. Et beaucoup de temps. Dans la vie, c'est pas des ronds, des carrés, des. Et il est des, très des, drôle, des, c'est des ronds. Va un peu à la sauvage. Hop. Bon, maintenant, qu'est-ce que tu vas faire là-dessus? Maintenant, tu vas prendre les choses là-dedans. Voilà. Allez, coupe des trucs clairs, voilà. D'abord, tu auras fait ça. Après, on recouvrira tout en bleu. Tête est pas trop grande. Hein? Et toi? Regarde. Tout ça, ça va être ton. Et là, lui, il est très concentré dans son travail. Tu sais, ça va faire des boucles d'oreilles, et la mascara elle a des boucles d'oreilles, et dans sa photo, et ben la mascara elle a des boucles d'oreilles, et dans la mascara ça s'appelle, une mise en abîme. Fais-moi les yeux verts, et je vais faire des patinoires. Un mangeur de bébé. Non, il mange l'enfant. Oui, il va falloir. Mais c'est un bébé ça ou quoi? Non, c'est un enfant. Mets-la un peu loin. Enlève-moi miam miam, c'est bon les enfants, parce que ça me plaît pas du tout. Parce que les enfants, c'est pas bon du tout, c'est dégoûtant. Oui. Bon, 10 minutes, t'as largement le temps. T'as besoin de 5 minutes, quoi. Il est où ton pastel? Ah oui, là-haut, il est excellent, ton monde. Tu n'aimes pas parce qu'il fait peur. Allez, non, que ça sorte là, hein, quelque chose de violent. C'est un pastel vert. Regarde, je te montre. J'en peux plus, je suis morte. Pas n'importe quoi. Alors, je vous propose de faire un petit bilan de la semaine. Qu'est-ce que vous avez pensé de cette semaine, etc. Hein? T'as appris à attendre? Oui. Ouais. Depuis la santé. Si on attend, pendant qu'on attend, on peut voir ce qu'on fait et on peut réfléchir. Bah, moi j'ai aimé parce que on a appris beaucoup de choses comme le fusain. On a appris aussi de patienter. Et aussi, voilà. J'ai bien aimé aussi les dessins en collages. Les collages là-haut? Ouais. Les collages, les coupages. Je trouve qu'ils sont extrêmement réussis ces collages là-haut. C'est peut-être qu'à un moment donné j'étais un peu sévère, mais parce que je voulais que ça soit bien. Donc pour voir si ça soit bien, ça comptait pour moi. Et quand je sentais que c'était là un peu mou, que vous saviez pas trop, etc., je me disais vas-y. Parce que j'avais envie que ça soit bien. T'es contente de ton monde? Est-ce que tu trouves que ceux des autres sont bien quand même? Oui. Ouais. Les aimes bien tous. Les aimes bien tous, ouais. Sauf les dessiner. Alors, on voulait vous remercier parce que c'était une super expérience. Merci. Et on vous accueille sans problème. Je vous fais l'accueil. Vous passez vers Paris. Qu'est-ce que vous voulez comme mot? Je fais une photocopie et je jette ça parce que ça va. Hein. Thank you.
c'est mon dessin préféré. Salut Robin. Salut Pierre. A bientôt. Bah ouais. Salut Robin. A bientôt. Au revoir Gabriel. Au revoir. A bientôt Marc. Ciao. Salut. Salut. Moi j'aime beaucoup ça, les bisous alors. On peut dire au revoir. A fois. Bientôt. Salut l'artiste. On pleure pas. Evelyne. Salut. Au revoir.